À la faveur de la tenue du 7e TAC, la RTB a réalisé plusieurs reportages sur des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Ce midi, nous vous proposons ce zoom sur un quartier burkinabé d'Abidjan. Mossikro est un exemple d'intégration de la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Plus de 700 000 âmes vivent dans ce quartier malgré sa précarité. Ces Burkinabés s'adonnent au petit commerce, à la couture ou à la mécanique. Bilidou Bazongo, Moussa Sano. Quelque part à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici à Mossikro, un quartier très peu touché par l'urbanisation et qui doit son nom à la cohabitation quasi parfaite entre la communauté burkinabé et la population autochtone. Une aventure qui date depuis les années 1930. Ce qui nous a mis ici, ce sont des ébriers. Ils s'appellent ébriers. Le vieux Bissiri Issaka, il travaillait. Il travaille ici. Bon, quand il travaille, vous savez que quelqu'un qui est bon, s'il est installé quelque part, il appelle ses parents. C'est pour cela qu'il a appelé les Valtaïques. À ce temps, c'est Haute Valta. Ils sont venus un à un, les parents, pour l'installer à côté de lui. Mossikro a grandi. Population à très forte majorité burkinabé. Aujourd'hui, elles sont plus de 70 000 âmes à vivre ici, dans un des quartiers les plus précaires d'Atekoubé. Une des 13 communes d'Abidjan. C'est vrai que le quartier est en cours de lotissement, mais déjà nous avons l'eau potable, nous avons l'électricité, c'est déjà pas mal. On a un commissariat de police, on a un dispensaire, on a des écoles, mais on n'a pratiquement rien à envier au quartier UP. Seulement notre seul souci, c'est la canalisation. On a un problème de canalisation, et si jamais vraiment on avait ces canalisations-là, je crois qu'on n'aurait absolument rien à envier au quartier dit quartier UP. Mossikro, c'est aussi l'exemple d'un quartier où l'intégration de la communauté burkinabé est une réussite. Fatou Ouédraogo est une burkinabé, responsable d'une association, elle vit ici depuis plusieurs années. Ici à Mossikro, nous sommes organisés en association. Il en existe plusieurs. Mais lorsqu'il y a un événement, que ce soit des moments de joie ou de peine, les membres de la communauté se réunissent pour apporter leur soutien. Nous n'avons vraiment pas de problème de cohabitation ici. Nous prions seulement Dieu que les présidents Roch et Alassane Ouattara s'entendent afin que la paix et le bonheur puissent prospérer entre nos deux pays. Alassane Ouattara, à Mossikro, les Français et les Joula sont les langues les plus parlées. Et malgré l'existence des marchés, les devantures des concessions pour la plupart des cours communes servent de lieu de commerce. Comme activité, c'est des gens de métier. La plupart d'entre eux, c'est des ouvriers. Et tout à l'heure, vous avez vu, il y a des techniciens en électronique, il y a des couturiers. Vraiment, en tout cas, c'est des gens de métier. Si je dis qu'ils ne s'en sortent pas, j'aurais menti. Bon. Je connais ma situation, je ne peux pas connaître la situation de tout le monde, mais dans une vue d'ensemble, je dis que les gens s'en sortent. Nous, on a ici. Mais notre problème, nous voulons pour que les deux pays n'ont qu'à s'attendre, pour que nous les ressortent sans Burkinabé de vie à Côte d'Ivoire ici, pour qu'ils puissent penser à nous aussi. Parce que même si on a ici, on sait qu'un jour, on doit rentrer. Si il y a vraiment des choses, ça veut dire que tu peux nous aider. Pour que nous puissions t'en sortir dans ces problèmes-là, vraiment, ça va nous faire plaisir. Pour la plupart des Burkinabés résidents Mossikro, le retour au Bercail n'est pas pour maintenant. Sauf qu'à des forces majeures, ils espèrent poursuivre leur vie ici. Nous, on a association ici. Bon, on peut nous aider aussi. Bon, on peut nous donner. On va travailler et puis rembourser. Il y en a aussi. On sait que l'argent, on ne peut pas partager comme ça, comme à Racide, mais on peut vous aider de sortir de pauvreté. C'est ce que nous voulons aussi. Il n'a qu'à nous aider dès l'État-là. En attendant que ces cris de cœur soient entendus par les autorités burkinabées ivoiriennes, Mossikro doit faire avec son statut de quartier précaire d'Abidjan. Les maisons construites sur ou au flanc des collines font que les éboulements suivis de mort d'hommes sont légion. À chaque fois que les ciels ouvrent grandement, c'est vanne.